C'est assez jeune parce que mon père était voltigeur en fait. Puis il m'a mis un petit peu la main à la pâte. Et ça fait. J'ai commencé, j'avais 11 ans. Après, j'ai fait une pause à 14 ans. Donc j'ai voltigé de 11 à 14. À 14 ans, j'ai pris une grosse gamelle qui m'a refroidi un petit peu. Et puis du coup, après, ça m'a même dégoûté un petit peu du cheval. Donc du coup, j'ai arrêté jusqu'à l'âge de 16 ans. Maintenant, j'en ai 37, ça fait 20 ans. Donc voilà, j'ai pas arrêté depuis. En voltige, on offre un espace de liberté au cheval qui est intéressant parce qu'on le laisse vraiment s'amuser, on le laisse galoper vite, on le laisse totalement libre de ses actes. Malgré tout, il faut qu'il ait le respect de son cavalier voltigeur, donc qu'il fasse pas n'importe quoi, qu'il faut que le cheval il accepte ça. En spectacle équestre, souvent on affectionne souvent les chevaux ibériques pour leur brio et puis leurs allures. Après, ce qu'on recherche, c'est quand même la polyvalence, hein, souvent en spectacle équestre. Chez un cheval de voltige en particulier, ben, l'idéal c'est voilà, qu'il ait le mental pour supporter un maximum de contraintes, quoi, les contraintes qu'on va lui mettre dans un voltige. On va partir d'après la voiture là. Et puis on va s'arrêter juste avant la descente. Il faut leur inculquer déjà la trajectoire, qu'ils comprennent. On va mettre des chevaux de tir au bout, comme ce matin. C'est une figure que j'ai inventée personnellement. Là, vous pourrez le crier au monde entier de chez les voltigeurs, je la revendique. Elle a été très bien faite par Lise, qui a, comme vous avez pu remarquer, bien tendu ses pointes et bien tendu les bras. C'est une acceptation, je donne. Je pars et je donne tout. En voltige en ligne, on va utiliser plutôt la vitesse du cheval pour exécuter les figures. Le fait que le cheval galope vite en ligne droite, il compense sans arrêt les contrepoids qu'on va pouvoir lui poser. Quand on va se pencher sur le côté, plus il va aller vite, plus il va pouvoir compenser ses transferts de poids. En cercle, on va plutôt chercher à utiliser la cadence du galop du cheval pour exécuter les figures. Donc c'est un travail un peu plus lent. Il va falloir qu'il ait plus d'équilibre. Et pour le voltigeur, ce sera aussi plus dur parce qu'il va falloir qu'il compense la force centrifuge qui est active tout le temps. On n'a pas les mêmes contraintes sur une piste circulaire et sur une piste ovale que sur une ligne droite. Il y a certaines figures comme pour taper des doubles où le cheval, lorsqu'il est en ligne droite, il tire sur sa ligne, il s'équilibre. Alors que sur le cercle, eh ben, ça va être un peu plus compliqué parce que le cheval est toujours en train de tourner en fait.
J'ai commencé comme cavalier au départ, cavalier de dressage, cavalier de concours hippique. Puis j'ai eu l'occasion de rencontrer le père de Damien, qui s'appelle Jean-Charles-Henri Thesnas, qui m'a initié à la voltige cosaque. Là, j'ai trouvé un aboutissement dans ce que je recherchais au niveau des sensations. Et de là, j'ai commencé à faire quelques petites animations avec des chevaux. Et puis petit à petit, en 1988, j'ai créé la compagnie Caracol. Bon, mais vous mettrez la petite selle, vous l'avez vu, comme d'habitude. Avant d'échauffer le cheval, il y en a une qui peut commencer à s'échauffer, et pendant, il y en a une autre qui commence à faire allonger un petit peu Ibéro, d'accord? Et puis après, vous inversez, et puis après, on commencera la séance, d'accord? La voltige, personne nous disait de prendre certaines précautions ni vraiment de s'échauffer. C'était un petit peu, on prenait le cheval et puis yaou, quand on y allait. J'ai eu des problèmes de genoux, des ligaments croisés, sectionnés, des choses comme ça, parce que justement on n'a pas été mis en garde suffisamment vis-à-vis de l'échauffement du voltigeur. Allez, libéraux, libéraux. Ne casse pas tes bras, gaine bien, ne casse pas tes bras vers le bas. Regarde bien en face, parce que tu imagines que le public c'est en face de toi. Ouais. Faut bien se dire que la voltige cosaque c'est comme un petit peu de la danse, hein. Donc il faut toujours être gainé et toujours avoir les pointes de pied tendues et les jambes tendues. On apprend bien évidemment les figures de base au départ, comme une planche, comme un dissimulé, des figures portées au départ, et après on va crescendo sur des figures plus compliquées qui demandent plus d'énergie physique, des à terre à cheval ou des choses comme ça. À mon avis, c'est très important d'apprendre les figures de voltige et savoir les placements avant de se jeter sur une ligne droite où là, le cheval va aller quand même beaucoup plus vite sur une piste en ligne droite que sur un cercle. C'est cool. Quand on va lâcher le voltigeur sur une ligne droite, il faut qu'il connaît parfaitement sa figure, savoir où il va mettre sa main, son pied, etc. Qu'il connaisse parfaitement et que ça devienne un automatisme, qu'il n'ait pas besoin de réfléchir. Le cheval va partir au galop, ça va très vite. Le voltigeur a quelques secondes pour réaliser sa figure et se remettre en selle avant d'arriver à la fin de la piste. Donc c'est très rapide. Donc si le cavalier n'a pas une maîtrise totale de ses gestes, forcément il va à la catastrophe. Ça va vite, ça va vite. Reste là, Lise, là-bas. Bien, Lise, très bien. La voltige cosaque,
c'est des figures qui sont issues de ruses guerrières. Et les cavaliers s'en servaient pour passer à travers des fronts ennemis. Ils se dissimulaient derrière leurs chevaux, ce qu'on appelle donc le dissimulé. Et après, il y a eu aussi d'autres figures qui ont été adaptées pour le spectacle, d'autres figures qui ont été créées par des voltigeurs qui ont inventé certaines figures de voltige, puisque c'est devenu maintenant, c'est plutôt réalisé pour des spectacles équestres que bien sûr pour faire la guerre. Super. J'aime le colza. Vive le colza.